Bon, on va passer au dossier Zelco. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te plaît concrètement chez Zelco? GECO, pardon, faut dire GECO. Ouais, mais moi j'ai du mal avec son prénom. Ah oui, mais moi il y a un Z, pour moi c'est Z. GECO, quoi. GECO, j'ai eu un très bon feeling avec lui. C'est une personne qui te fait rire parce qu'il part dans ses délires. Ah, mais c'est donc, sûr que c'est la touche humoristique du programme. C'est, et ça fait du bien dans le programme. Ensuite, GECO. Rien, on me l'a présenté comme mon ex, donc forcément, je me suis dit, bah vas-y, je vais jouer le jeu à fond. Étant donné que j'ai joué le jeu à embrasser tous les mecs, et bah, alors pourquoi pas jouer le jeu aussi avec GECO. Et voilà. Et donc ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. Mais pour moi, c'était des bisous de cinéma. Tu vois, là, je suis comédienne, on va dire, et là, je fais un bisou. Mais franchement, non, j'étais pas partie dans l'optique de faire cette émission pour trouver l'amour. Mais est-ce que c'est ton genre de mec, non, GECO? Non, GECO, c'est pas mon genre de mec. Non. C'est plus Mika, mon genre de mec, en grand format. Mais pourtant, on a enfin, tu le masses. Je sais pas, ça te. Pourquoi est-ce que tu. Ça te dégoûtait quand tu le massais? Bah, bien sûr. Non, je rigole. Non, ça se fait pas pour lui. Non, mais bah, je dis ça. Je me permets de dire ça parce que, en effet, j'ai remarqué que. Bah, tu mettais pas du tien, quoi. Non. Non, j'avais pas spécialement envie de le masser. Et puis, quand aussi on lui a demandé de me masser moi, bah, j'ai refusé. Je voulais pas qu'il. Qui me masse, je voulais pas. Il a des trop grosses mains. Il a des grosses mains et puis il fait mal, il appuie trop fort. Déjà dans la scène dans la piscine, on a bien vu que j'avais mal, je fais ah. Alors, la légende voudrait qu'il ait quelque chose de beaucoup plus gros également. Je sais pas. Tu l'as pas vu? Non. Ah si, bien sûr que si, je l'ai vu, bien sûr. Dans ses moments de crise, il se mettait à poil devant la piscine et il avait la zigounette qui. Est-ce que c'est aussi énorme que ce qu'on raconte? Oui, elle est grosse. Bah, en même temps, il est grand, il est là. Ah, bah ça tout, veut rien dire. Il a tout de gros. Mais attention, ça veut rien dire. Ah, je sais pas. Bah, après. Apparemment, c'est très impressionnant. Mais c'est vrai que. Il a été gâté par. Par la vie. Par dame nature. Voilà. Moi, on m'a dit que t'étais allé un petit peu plus loin que des simples bisous avec GECO. Non, pas du tout. On va parler de petite gâterie. Non. Non, bah, entre ce qui est dit et ce qui a été, non. C'est vrai, c'est faux, c'est une info, c'est une intox. C'est une intox. T'as l'air gênée. Non, mais c'est forcément, je suis gênée. Attends, mais tu te rends compte ce qu'ils sont en train de dire? Non, 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 j'ai rien fait du tout avec GECO. T'as rien fait du tout pour non. Le programme? Non, j'ai rien fait avec GECO. Et cette demande en mariage, alors GECO, rassure-moi, c'était. C'est pas vrai. La demande en mariage, non, ça a été du pur fake. Et puis moi, voilà, j'ai pris comme une protection et voilà, basta.